Bah, j'étais obligé, John. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut tout le monde. Ça va? Ça va, John? Ouais, impeccable, impeccable, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo. Une vidéo sur des morceaux très connus. Non, voilà, pas du tout. En fin de compte, sur des guitares de débutants. Bah oui, parce qu'on a tous commencé à un moment donné. Avec une guitare. Qu'on se rappelle d'ailleurs, on se rappelle tous de notre première guitare. Eh ouais, mais trop, John, trop. C'est important, puisque c'est la plus belle guitare du monde. C'est la première. Exactement, c'est comme le premier morceau. Eh bien, on a choisi deux guitares de deux grandes marques. Hein. Forcément, une Squire, les nouvelles Squire Affinity. Attention, les nouvelles avec la tête vernie, des jolies. Oui, c'est très beau, très beau. Et puis moi, j'ai pris une Yamaha, la grande, la connue Yamaha Pacifica. Hein. Mmh. Donc voilà, celle-là, voilà deux guitares franchement qu'on voit partout. C'est quand même la base. Ah voilà, pourquoi cette vidéo? Bah, c'est pour vous faire voir un petit peu les specs de ces guitares et que vous fassiez un choix, pour vous, directement, pour vos enfants, pour commencer, pour débuter, et voilà. Alors, ouais, ce ne seront pas des guitares à 1500, 3000, non, 4000 non, euros. Non, John, pas pour, toujours pour débuter quand même. Hein. Voilà. Pour débuter. On s'est branché dans les petits amplis, on a choisi aussi les amplis pas chers. Hein. Qu'est-ce que tu as, toi? Moi, j'ai un petit orange. Un petit orange. Un CR35T. Bah, voilà. Moi, j'ai pris le petit frère, j'ai pris le 20. Voilà. Tout simple. Transistor, ouais. Pas de lampe. Non. Allez, on y va. Hein. Et le jack, un petit jack. Oui, bah, ils n'ont pas fait le Bluetooth encore. Voilà, bon, ça. Bon, ok. Alors, bah voilà. Eh bien, écoute, je commence avec ma petite Pacifica. Petite pelle. Très simple, plusieurs coloris, évidemment. Bah, c'est plutôt joli, elle en naturel. Ouais. Sympa. Mais tu vois que j'ai un petit truc sur cette guitare. J'ai un double. C'est ce joli micro double. Ouais, plus HSS. Donc, du coup, je vais pouvoir taper un peu plus fort sur ça qu'un autre. Ouais, c'est vrai. Bon, cette guitare, eh ben, franchement, elle est très pertinente. On a commencé en rigolant avec les petits morceaux, mais tu vois, tout de suite, je change, je suis sur mon micro manche, voilà. Tu vas voir. Ouh, ça marche quand même. Ouais, côté cocotte. Oh yeah! Encore un petit son que j'aime bien moi sur ces petites pelles, ça vient un petit peu de la strat. Hein. Sound funky, tout ça. Tu vois, tout de suite on a le son là. Ouais, ouais. Et puis du coup j'ai passé sur mon double. Le gros son. Le gros son. Alors tu vois ça tout de suite, bien voilà, voilà ce c'est bien. Hein. Ouais. Donc sur cette guitare, Pacifica c'est un bon choix puisque... on va se battre tous les deux, hein, tu sais bien. Hein. Ouais, c'est un bon choix. Pourquoi c'est un bon choix? Parce que là, on a un gros panel sonore. Ouais. Je vais avoir. T'as ce micro double. Et attends, en plus, genre, tu vois, je t'apporte quelque chose. Merde. Ça, c'est je voulais bon. Le faire après. Tu vois. Il y en a un qui t'aurait engueulé, là. Tu vois, là, je gardais la surprise et d'un coup, il arrive, toi. Et il me fait. Regarde. Regarde, t'as ça. Bon, j'ai cassé j'encaisse le coup, ça va se payer évidemment, mon petit Thomas. Oh, mon Dieu. Voilà. Bon, évidemment, ce micro qui est ici. Oui, donc tu disais. Alors, je vais pouvoir le passer en simple. Ah, ça c'est beau ça. Et repasser en double. Et repasser en simple. Et repasser en double. Ce qui fait que si je veux un son un petit peu, voilà. Un son, tu vois, plus cool. C'est quand même super polyvalent. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire par cette petite guitare Pacifica, c'est que la polyvalence est au rendez-vous. On a un manche très facile à jouer. Donc, pour les débutants, c'est plutôt super sympa. C'est pas un manche de pioche, ça glisse très vite, ce qui fait que vous allez pouvoir travailler sur tout le manche. Vos barrés, par exemple, j'ai toujours le problème du barré. Le fameux barré. Alors, putain. On s'en souvient aussi. Là, il était bien. Et bah, du coup, vous allez pouvoir le passer nickel. Les petits solos, très facile à jouer.
Elles sont belles. Non, c'est bien, franchement, ça reste, c'est un standard, c'est un classique, c'est parfait. C'est un grand classique. Le corps en nœud est super beau. Ben, le corps en nœud est super beau. Mmh. Je l'ai pris, choisi en naturel, parce que je l'aime bien, ouais. En atte. Alors, il y a d'autres coloris. Hein. Alors là, les amis. Alors, chez YAM, vous pouvez y aller, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Énorme. Voilà, outils et matériaux. Non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est, ça n'a rien à voir avec la base. Rien à voir. Bon, moi, j'adore. Je suis fan. Alors maintenant, parce que, attends, je prends un peu plus de temps, je vais me mettre en truc un peu plus chargé, toi. Toi. Monte le micro double, là. Ah, regarde le double. Hein. Ah, tu vois un peu que là... Et tu vois, d'un coup, j'ai du son. Que la wah-wah de Kirk Hammett, là. Ouais. Ouais, désolé, Kirk. Faut faire attention à ce qu'on dit maintenant avec Kirk Hammett. Tu sais, c'est sensible, lui, à ce moment. C'est vrai. Et donc, voilà, j'ai du double, j'ai du simple, je vais pouvoir passer en simple dessus. Ouais, ça sonne strat. Et puis après, faire plein de sons avec ma petite gratte, franchement, c'est bien. La guitare 4-4, quoi. Bah ouais, tu sais que dans les écoles. Ouais. C'est quand même une des valeurs sûres, quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Bon, la YAM Pacifica, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour moi, je vends ma cam. Hein, mais vas-y, vas-y, mais vas-y. Moi, je vends ma cam. Franchement, allez-y, parce que pour ce prix, et tenez-vous bien, pour la modique somme de 330 balles. Ouais, c'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est dur de faire mieux. 330 euros, la gratte, il y a une garantie derrière YAM qui tient la route, les mécaniques, ça tient la route, tout l'accastillage tient la route, les micros, ça marche, c'est beau, ça a de la gueule, j'ai un double, j'ai un simple, HSS ou SSS, j'ai un petit vibrato, la touche est pas montée dessus, la tige, hein. Voilà, ça a de la gueule, ouais. Moi je dis que là, tu vas avoir du mal, vas-y. C'est parti, à moi de jouer. Non, très belle guitare, mais quoi de mieux qu'une Strat? Qu'est-ce qui se rapproche le mieux d'une Strat? Ben là voilà, on a notre belle classique, notre belle Squier Affinity, tout simplement, des micros simples. Ouais. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Ouais, bon. On est à la maison là. Bon, ouais. On est OK. C'est beau. On est OK. C'est beau. Là, on est vraiment chez Fender. Chez Fender, hein, on retrouve ce petit truc, ce côté. Oui, d'accord. Plus authentique. D'accord. Et tu vois même. Bon, petite différence avec Mayhem pendant que Monsieur joue. Voilà, ça fait un peu musique de là, derrière. C'est que j'ai qu'une tonale. Oui, présentez-nous le menu du jour. Voilà, donc à la table numéro 7, bon, je déconne. C'est une magnifique. C'est la Strat, hein, on connaît. Voilà, on va pas. C'est bluesy, c'est rock'n'roll. Encore une fois, je vais essayer de rivaliser avec le micro double. Ça sonne plus trashy, c'est pas aussi lourd que le micro double, mais c'est normal. Ça me rappelle mes débuts. Ouais, j'écoutais Green Day à mes débuts. Moi, je suis plus vieux, donc c'était plus. Oui. J'ai rien dit. Oh non, c'était plutôt ça. C'était quoi, toi? Oh, c'est horrible. C'est plus vieux, c'est autre chose. Je suis désolé. Ça fait deux fois là. Ouais. Là, les amis. Je ramasse à Nantes, je ramasse à Bordeaux maintenant. Au moins, ça change pas. T'es ça bien. Pas on t'entretient bien. Pas de durée. Non. Alors franchement, c'est un fait que vous pouvez choisir les yeux fermés cette guitare. Ouais. En tout cas, des nouvelles Affinity. J'adore un truc sur celle-là. Il y a plein de coloris. On aurait pu tout vous montrer. La tête, j'adore. Ouais, j'aime bien la tête vernie. C'est super beau. C'est beau. Ouais. Donc, j'adore. Guitare plus 4-4, on est plus dans l'identité de la Strat, si on peut dire. Voilà, si vous cherchez plus chez Strat, il faudra en partir la Squier. Si vous voulez une guitare très polyvalente et capable de tout jouer, c'est les yeux fermés que vous pouvez travailler avec Monsieur Yamaha et sa Pacifica, parce que celle-là, elle l'a prouvé depuis de nombreuses années. Oui. Sa copine aussi. Très longtemps. Oui, bien sûr. Mais alors, dis-moi, je te pose une question, mais il y a plein de coloris là-dessus?
Oh, il y en a plein, on va avoir quoi? On a du Sparkle, on a du Red. Ah, Sparkle, t'as? Ouais, enfin, en fait, ce côté Sparkle, tu vois. Alors, attends, je me rapproche. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, vous voyez, il y a ce côté un petit peu pailleté qui est assez joli, je trouve. Pas mal. Ouais, alors, moi, je me rapproche. Moi, j'ai ce côté un petit peu naturel que je trouve joli. Vous trouverez un joli naturel satiné. En noul. Non, mais les guitares. Il y a plein de coloris et la liste est longue, John. Franchement, là-dessus, il y a plein de couleurs. Donne-moi tout un comme price. Tes Yamaha. Donne-moi un price. C'est là où ça va faire mal. 249 €. C'est pas mal, hein, c'est compétitif. Ben, c'est des guitares un petit peu différentes. Toi, tu as un micro double, tu as un corps en aule qui est très joli. C'est ce qui peut expliquer cette petite différence. C'est même ce qui explique totalement cette différence. Ben ouais, le corps en aule qui est méga canon. Voilà, et mon double. Et le double, ouais, oui, c'est vrai. Donc, attention, c'est pas la différence de prix n'est pas... C'est pas énorme, mais non, ça s'explique. Ouais, voilà. Ça s'explique et c'est pas ce qu'il faut rechercher de votre achat. Non. C'est un fait que si vous avez un budget, allez, à 250 balles, il n'y a pas photo. On se fait plaisir. Tac. Fait plaisir. Même si vous avez plus d'ailleurs, hein, parce que vous prenez un petit ampli avec la belle, vous allez voir, ça déchire. Hein. Si vous avez un budget à plus de 300 balles, allez-y chez Pacifica, mais vous pouvez aussi, comme je dis encore. Les deux sont comparables, les deux franchement. Les deux sont très bonnes. Ouais. Différentes, mais très bonnes. En gros, deux super guitares pour commencer et débuter. C'est parfait. Voilà, c'est parfait, franchement. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas prendre la marque Fender, hein, parce que c'est comme ça. C'est bien. Tu as pris le t-shirt. Hein. J'ai pris le t-shirt Fender. J'ai pas de Yamaha sous la main. Monsieur Yamaha, je n'ai pas de t-shirt Yamaha, donc il faut faire quelque chose là. Il faut m'envoyer des t-shirts Yamaha. Donc John portera un t-shirt Yamaha sur les prochaines vidéos. De Fender, évidemment. Hein. Franchement, ouais. La Pacifica, je suis fan. Et là, je ne vais pas mentir, je suis fan de Fender, ouais, donc évidemment, je suis fan là, on est à la maison. Ouais, de la Squire. Voilà. Mon cœur balance entre les deux. C'est peut-être une question de budget après, mais bon, voilà. Faut les essayer. Faut les essayer, ouais. Les venir les voir. Là, il y en a une qui est un peu plus flashy. J'aime bien. Ouais, les coloris sont rock plus. Rock and roll hein, de l'histoire. Ouais. Là, j'ai pris un Nat parce que j'aime bien aussi. Franchement, deux guitares à venir essayer. Alors, venez essayer, adulte, enfant, ce que vous voulez. Mais venez voir un petit peu en boucard ce que ça donne. Mm. Branché dans les petits amplis, à pas cher non plus. Ouais. Et puis voilà. Hein. Petite prise en main, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est le mieux. Donc on se retrouve ici à Bordeaux ou à Nantes. Ou à Nantes. Voilà. Site internet si vous voulez. Exactement. Etc. Vous nous téléphonez, vous nous appelez, vous nous envoyez des mails pour avoir plus de renseignements sur ceux de guitare. On est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Ou sur les petits oranges qu'on a sortis qui sont excellents. C'est aussi, hein. Vrai qu'on la marque Orange. On aurait pu en parler. Hein. Orange, et petits amplis déchirent tout. Un petit ampli qui est à côté de moi qui vaut 240 balles. Ouais, mais. Ouais. 240 €, hein, le petit 35. T'imagines là. Les petits packs que ça peut faire. Petit pack alors, canon, voilà. Ça. Là. Et ça marche avec tout, hein, ça, et ça aussi. Hein. Donc allez-y, regardez bien tout ça. Je sais que vous connaissez pour la plupart déjà ces guitares. On ne voulait pas faire une vidéo aujourd'hui avec des grattes à 1500, 3000, 4000. On en fera, évidemment. On voulait faire un truc plus fun, justement pour les débutants. La base. Voilà, comment on... hein, pour la base. Ouais, mais c'est bien, ça nous tenait à cœur. Ben ouais, c'est important. Hein. Bon. Bon. Et... qu'est-ce qu'il nous reste à dire, John là? Bah, si vous voulez nous suivre, bah, vous vous inscrivez, vous nous likez. Voilà, la petite cloche sur YouTube, s'abonner, vos suggestions, vos questions, on est là pour ça. On est là pour ça, pour vous répondre sur ces guitares et bien d'autres aussi. En tout cas, mon Thomas, je te fais un gros bisou. Bisous, John, à plus. Et à bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.